Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Bonjour tout le monde. Moi, je voulais d'abord. Dire merci parce que nous faisons déplacement en masse pour nous venir dans cette causerie ça parce que ça fait déjà trois semaines en tête et primature là, mais nous n'avons jamais gagné opportunité pour nous faire un petit parler avec la presse. Je suis certain que tu as gagné en impatience parce que je recevoir plusieurs invitations. Je ne vais pas répondre une après l'autre parce que je connais gagné un pile membre de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, qui a souhaité gagner en exclusivité avec le Premier ministre pour un petit bout de temps. Qui a commencé à expliquer le contexte qui fait que moi là, jeudi à devant nous, et comme Premier ministre pour un petit bout de temps. Pas oublier que le Premier ministre Joseph Jout et bail démission pour convenance personnelle. Président de la République là, il choisit un membre dans le gouvernement qui est ministre des Affaires étrangères et des cultes pour diriger Primature là comme Premier ministre pour un petit bout de temps. Donc, président choisit pour moi diriger comme Premier ministre AI. Et c'est un souci pour le voir un signal clair par acteurs politiques pour le dire, écoutez, moi j'ai gagné une possibilité pour me choisir un Premier ministre définitif. Mais étant donné que moi j'ai un dialogue avec Protagonistio pour aboutir avec un gouvernement d'Union nationale dans la tête libre pour un Premier ministre définitif, donc les dit, écoutez, prends-temps ensemble pour nous travailler, pour nous capables de gagner un gouvernement ça. Donc c'est-à-dire que moi-même qui l'a comme Premier ministre pour un petit bout de temps, c'est un signal clair qui lancé pour nous joindre un dialogue pour le gouvernement qui pourra venir avec un Premier ministre définitif pour assurer la continuité de l'État, particulièrement dans deux grands chantiers qui chers et à président, mais particulièrement qui important pour la démocratie. C'est référendum constitutionnel là et c'est élection yo pour nous capables de renouveler le personnel politique là, mais particulièrement au 7 février 2022, qui a gagné un transfert de pouvoir à un autre président qui est élu démocratiquement à travers les urnes. Donc, quittez moi expliquer rapide que moi gagne une feuille de route qui est claire. C'est sécurité, sécurité et sécurité. Ça veut dire que moi-même, depuis mon TIA, c'est ça, président, ben moi, comme feuille de route pour moi travailler sur lui. C'est ça que fait. Depuis moi, monté comme Premier ministre pour un petit bout de temps, moi organisé pas moins de 4 CSPN qui gagnent là-dedans, je suis capable de dire, youn qui sont CSPN élargis avec secteur privé à qui gagne un pile monde là-dedans qui est concerné par question insécurité. Donc, gagner un ensemble de dispositions qui déjà prend. Gagner un ensemble d'efforts que nous-mêmes nous déjà consenti. Après le premier CSPN, pour un pile de monde là, tu es capable de constater, moi prends la rue, moi déplacé à dans différents commissariats, moi visiter unités spécialisées dans PNH là, parce que nous connaissons depuis 12 mars, morale policière était en Berne. C'était une façon pour moi-même de remonter morale policière. Ensuite, nous déplacer, visiter différents checkpoints dans souhait, certainement avec l'état-major de la police. Encore une autre fois, c'était montrer aux policiers dans quel niveau nous motiver et déterminer pour nous travailler ensemble, pour nous capables de résoudre les problèmes d'insécurité. Donc, pour l'autre, nous sommes capables de dire décision qui prend, nous connaissons.
Par exemple, nous avons posé conteneur Matissan, nous avons visité, bon, monsieur dit ça tout à l'heure, et gain un travail pour nous augmenter le budget et la police nationale là, gain de nouveaux matériels et équipements qui commandés, gain réactivation service intelligence PNH, mais également au niveau du ministère et de l'Intérieur, et gagner un ensemble de mesures que nous-mêmes et n'apprend et comme Premier ministre pour un petit bout de temps. Parce que je dis à les fondamentales et nous connaissons. Kidnapping là, les gagnants, dimension criminalité. C'est ça que fait. Et PNH là, ni pas d'homme, pas d'homme. Qui te félicite rapidement, opération qui fait hier soir là, par différentes unités dans PNH là, pour laguer deux mondes qui kidnappent. Donc je dis à les fondamentales, les importants pour tout le monde comprendre ça. Police nationale là, li pap domi. C'est vrai, gagner insatisfaction et n'a travail effectivement pour nous adresser préoccupations. Qui en pile préoccupations, c'est des préoccupations légitimes par rapport à la question insécurité. Mais je dis, il y a gagné une synergie qui pour créer entre police là et population. Contrairement à pratique commune, chaque fois qu'on kidnapping, eh bien, nous choisissons par exemple barrer route, etc., moi je ne crois pas que ça aide la police là. Au contraire, faut que nous relions dans le numéro que nous connaissons, c'est 122, et pour nous collaborer avec la police nationale. Camper, barrer route, il n'y a pas de résoudre le problème. Non. Au contraire, nous faisons tort à la population, mais nous faisons tort tout à monde qui kidnappé. Donc, je dis à, et moi, ben nous garantis, gagner effectivement de dispositions que nous apprenons pour nous croire kidnapping là, attaquer bandits dans le dernier retranchement, que nous ne pouvons pas communiquer là. Mais ça me dit, nous, c'est que la police a travaillé, moi-même, ça fait 22 jours, donc nous réaliser déjà 4 CSPN. Ça, déjà, l'exprimer volonté nous, pour nous et adresser le problème insécurité. Mais pas oublier. Insécurité, je dis, ce n'est pas seulement une dimension criminelle, les gars. Les gars ont une dimension politique. Vous comprendre la coïncidence qui existait entre les relations qui existaient entre les nous parlons tomber dans 7 février 2021 avec masse kidnapping qui a fait dans le pays. Donc, c'est un autre outil que de monde utilisé en la société, qui de monde qui pas prêt pour engager la bataille là de façon démocratique, parce que nous allons organiser l'élection, vous ne prenez pas aucune possibilité à travers les élections pour prendre pouvoir, parce que c'est ça, vous besoin à travers une transition. Donc, dimension, aspect ça, les fondamentales. En 27 février, il y a un paquet de kidnapping qui a fait dans le pays. Et nous disposer, au niveau police nationale, au niveau CSPN, là, de bons gens d'intelligence. Et notre travail, notre privé, certainement, sous le monde, ça, qui ont même utilisé le kidnapping là, comme aux âmes, pour yo, eh ben, aboutir avec. Et nous sommes capables de dire un objectif politique qui visait à faire le président démissionner soit un an avant et la fin de son mandat. Donc ça, c'est fondamental et pour nous comprendre. C'est peut-être ça. Jean-Président, toujours fait là, lui lancer le dialogue là, parce que pour le président de la République, là, le dialogue est permanent. Le dialogue est permanent. Gagner en pile monde. Déjà acteurs politiques ou bien protagonistes qui mettent d'accord sous principe dialogue là. Parce qu'il faut nous aboutir avec un gouvernement qui pour assurer continuité de chantier ça, nous souhaitons parler là. Référendum constitutionnel là et élection qui vient pour venir là, pour être capable de renouveler personnel politique là. Donc là, on a seulement retenu la question, non, puisque là, il y a un CSPN qui accompagne et le CSPN, il y a des questions qui, probablement, c'est le ministre justice là, ou bien directeur et police nationale là, ou bien ministre intérieur et la trier, qui est capable d'adresser ou bien répondre. Merci. Merci. Merci bien. Moi, tout le monde qui nous verra, il y en a après l'autre.
n'a regardé Simka et prend au maximum de questions possibles parce que c'est première conférence de presse Premier ministre à Ian et c'est première conférence de presse toutes ces semaines non et qui réunit jeudi. Grégory Jean-Philippe, Radio-Télévision Caraïbes. Et donc, bonjour, non pas monsieur Grégory Jean-Philippe, je travaille pour Radio-Télévision Caraïbes. Alors, et PM, il y a deux questions pour vous. Et première, c'est concernant la sécurité, donc et, c'est sous sa wabaye conférence là. Et Gampil Moun dans la rue, qui fait mon que moment, ce n'est pas pour parole, ce n'est pas pour belle parole, c'est action concrète qui vous posez. Et que, et dans la police, le gouvernement, il faut qu'il faut des sources d'insécurité pour que ça va aller à la source, pour bloquer. Parce que chaque jour, on apprend la rue, c'est avec quai cassé, il y a veillé en haut, il y a veillé en bas. Donc, on va remettre pour ton petit précision pour nous, qu'est-ce qui va le faire concrètement pour nous caraler en souffle. Deuxième question, il y a un docteur Reginald Boulos qui a accordé une interview avec la Voix de l'Amérique, qui fait qu'on est que, et si d'aventure le président Jovenel Moïse a quitté le pouvoir, c'est Ticlaude Joseph qui va le gagner pour diriger et nous parle d'un plus problème que nous trouvons aujourd'hui. En déclaration par rapport avec et sa docteur Boulos dit sur la Voix de l'Amérique là. Bon, et je vais répondre à une question, et si vous voulez, je vais commencer avec la deuxième, et puis je vais retourner avec la première question. Écoutez, première option, je suis capable de dire, moi réagis sur ça déjà, mais l'option qui t'a dit, le président de la République, là, pour le mettre clé en bas, là, il n'est pas même envisageable. Puisque le président est élu dans l'élection 2016, avec 56% des suffrages qui exprimés, il y a eu le résultat en janvier 2017 et prêté serment 2017, 7 février 2017, et nous connaissons en Haïti, mon président est servi pour 5 ans. Donc 7 février 2022, il va aller, mais il ne va pas aller comme ça. Il va aller pendant que l'a remplacé par un président qui est élu démocratiquement. Ça, c'est un exercice assez intéressant, c'est la pédagogie de l'alternance démocratique qui passait par le respect du verdict des urnes. Ça, c'est le premier bagage. Mais le deuxième bagage, c'est que je ne vais pas pour me remplacer ou pas, parce que moi-même qui là, moi, c'est un premier ministre pour un petit bout de temps. C'est ça que fait le président, il choisit, parce que je connais qu'il y a un pile démarche qui a fait pour nous aboutir à un gouvernement de consensus dans tête d'avoir un premier ministre et définitif. Et troisième aspect, dans le pays, il y a un pile petit Claude, il y a un pile petit Moïse, il y a un pile petit Pierre, il y a un pile petit Joseph. Mounsayo, il ne doit pas sembler avec Reginald Boulos, mais dans la vie, il fait un pile effort, parce que maman et papa, il fait un pile effort pour eux. Donc, Mounsayo, puisque il prend tout le temps à l'école, il a appelé pour prendre de grande responsabilité, ou bien occupé de postes de responsabilité en ABI. Donc, moi, je souhaitais que docteur Reginald Boulos les comprenne sur les dimensions ça et mauvais que le raté opportunité a pour montrer que les pas un monde qui ont une approche discriminatoire par rapport à Ti Moïse, Ti Joseph, Ti Pierre, Ti John, Ti Grégory. Donc pour deuxième question à Grégory, et c'est pas parler, puisque depuis mon terme, ça fait 4 CSPN, et faut que tu aies un état des lieux sur la situation de sécurité qui fait, et pour nous prendre mesure, j'aime d'où là, et nous avons un équipement qui est en route. Gagner ou est bandit ou fâché parce que nous placer des conteneurs dans une matisse, ça veut dire que ça va faire au content. Donc il y a un pile mesure qu'a pris. Hier soir, une opération qui menait, c'est la police qui libérait et otage. Donc il y a un pile d'autres cas comme ça que le directeur général à la police nationale là va parler avec nous pour expliquer nous qui ça la police là a fait clairement pour combattre l'insécurité. Magique. Bonjour PM, je suis Daniel Sénat pour le nouveau lycée Magique 9. Moi, il y a deux questions. Une pour le directeur général de la police là. Nous communiquons sur la libération de deux otages hier soir dans le Canada. Est-ce que nous sommes capables et dans ces circonstances que nous menons l'opération ça, qui bilan l'opération ça tout. Monsieur le Premier ministre et sénateur Joseph Lambert est de passage à Jacmel pendant le week-end là. Il était fait appel avec une assistance militaire internationale pour capable venir résoudre le problème de sécurité à déloger gang. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à la suggestion sénateur Lambert? Merci. Bon, quittez-vous, on réagit sur la question maintenant et puis on va le passer
micro à directeur général police là. Et problème insécurité, c'est un problème national. Et il faut que les solutions à tous soient une solution nationale. Et c'est ça que fait la police nationale là, les mobiliser, déterminer pour les combattre l'insécurité à toute forme. Maintenant, puisque nous avons des partenaires, que moi-même habitué de travailler avec eux comme ministre des Affaires étrangères, donc il est toujours bon, par exemple, nous connaissons la besoin d'aide, parce que Zamio, ce n'est pas nous qui faisons. Balio, bandit, jeune, ce n'est pas nous qui faisons. Donc, il y a un conseil de monde qui a alimenté en munitions. Donc, dans ce sens-là, nous demandons et accompagnons et soulever en amont pour permettre que ça aille. Donc, nous avons besoin de la frontière, nous avons besoin de l'aéroport, nous avons besoin de l'aéroport, en façon pour nous-mêmes, nous capables de limiter, soulever et acquisition matérielle qui est destinée directement à bandit. Merci. Directeur général. Merci bien que vous avez l'opportunité pour répondre à la question, dernière question sous cas, dernier cas de libération d'otages que la police a fait hier soir. Je vais profiter de saluer membre de la pression qui est avec nous dans la première conférence de presse sous gouvernement Joseph Moïse. Et m'a dit tout d'abord. Gagné, nous reconnaissons on recrute de sens des cas d'enlèvement. La police là, toujours été mobilisée pour prendre toutes dispositions le plus rapidement possible pour contrecarrer ou bien éliminer, réduire quantité de cas d'enlèvement sérieux pour que nous connaissions enlèvement qui tapine, appauvri et créer un pile de problèmes dans la famille. Pour faire face à un problème, ça, la police va agir sur trois niveaux. Prévention et renforcement des capacités opérationnelles de police là et répression. Dans le cas de prévention, nous augmenter la présence de la police à travers des patrouilles mobiles et points fixes dans zone ou bien dans l'environnement zone côté kidnapping fête. Renforcement des capacités opérationnelles, nous fait demande et le gouvernement répond pour nous doter la police là dans un lourd parce que les cas faut qu'on fait pénétration dans une zone qui est assez difficile et tout appareil de haute technologie pour permettre la police là monter opération et utiliser de nouvelles technologies qui permettent nous rapprocher nous du lieu de séquestration et en matière de répression. Il y a des opérations, peut-être que la police n'a pas mis nous recouvrons, mais il y a des informations qui sont collectées, qui sont traitées par entité, la direction de renseignement de la police nationale, et il y a des opérations ciblées qui montent pour libérer l'otage, faire filature sur bandits, compiler l'information, faire interview, debriefing à monde. Qui malheureusement, qui était enlevé. Et c'est que j'ai rencontré avec eux pour capable collecter l'information pour monter et opération dans le futur. Pour arriver dans cette question directe qui était posée par rapport à l'opération qui aboutit à libération docteur et petit lit qui était en main des bandits. L'opération fait faite. Heureusement, première. Intervention, première action par là, c'est informer la police. La police commence à travailler avec par là. À partir de travail, nous identifier côté. Alors, bandit fait Zagla. Et nous montons opération avec plusieurs unités de la police. 45, c'est la défaite. Des unités de la DCPJ. Et l'autre unité de la police, dans nos montées opérations, heureusement, nous libérons Mounio, c'est les sauf, nous saisissons officier automatique, gagnons un bandit en échange avec la police qui est tombé, bon l'autre qui est en cavale et la police a pu rechercher activement.
Nous avons trois autres questions de Galvan. Métropole, Amélie Baron, Kiskeya. Métropole, Amélie Baron, Kiskeya. Métropole. Bonjour, merci, M. Elange Méforme, dans la Radio Télévision Métropole. Monsieur le Premier ministre, disposition, c'est des annonces qui sont faites depuis février, à date. Et honnêtement, on peut sortir avec nouveau là, on va voir ça qu'a dit déjà. Mais juste en vous disant, quelque chose de nouveau. Dis-nous rien qui est nouveau. Moi, je vous fais ça. Pour le directeur général de la police nationale, de février à date, combien d'otages la police libérée? Parce que l'impression qu'on a, c'est que souvent, les gens qui kidnappent, ils sont libérés soit contre rançon, soit suivant les bons offices, si vous voulez, des kidnappeurs, des ravisseurs. Si c'est vrai, la police n'a jamais pas été efficace sans ça, qui s'est expliqué ça? Et puis, qui ça la police connaît de la mort Kerbi, Giffrand, et au final, et M. le directeur général, opération Pénéia, là, est-ce que la police terminale pour contre? Merci. Merci, Métropole. Pour question ça, qui ça qui nous vaut? Alors, dans le commencement, on va oublier que nous avons dit, et malheureusement, nous n'avons pas dit toute disposition qu'on prend dans la presse pour nous arriver adresser de façon efficace le problème insécurité. Mais ça, je suis capable de dire, c'est que j'ai une peur bleue, la caille bandit, parce que je connais que nous avons privé sur eux. N'a privé sous eux, en deux dimensions. N'a privé sous bandit qui a fait opération, mais n'a privé sous éminence grise, sous monde qui pensait kidnapping, parce que bandit, il y a des ramifications. Donc il y a un bon genre d'intelligence sous et un ensemble de bagailles qui a fait dans le pays, particulièrement sur kidnapping. Ce n'est pas sans raison, Marion, président, dit gagner une motivation très forte et on est capable de politique de kidnapping là. Et je pense que ça, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde qui a suivi l'actualité en NBIA, où est la corrélation qui existait entre kidnapping là et ensemble de mouvements qui a fait dans le pays pour dire au président aller. Alors, l'important, ce n'est pas le citoyen lambda qui a fait kidnapping là, mais kidnapping yo politiquement, ils ont pensé quelque part. Donc, c'est extrêmement important. Ce n'est pas moun qui est là où ils ont fait manifestation qui est derrière kidnapping. Il faut qu'on clair sur ça. Mais dimension politique là, tout le monde connaît, même si un peu le monde n'a pas documenté. Mais je dis à ça, je suis capable de garantir, c'est que nous prenons toute disposition pour nous mettre moun sa yo hors d'état de nuire. Merci. Il y a trois questions pendantes pour nous répondre par rapport à libération d'otages. Pour libération d'otages, nous avons dit, le en cas d'enlèvement fait, la police, là, sous information que je joue avec parents, avec cellule contre enlèvement, nous avons avec parents. Mais toute disposition, toute action qui a monté, il fait un accord avec les parents. Pour mon opération, même j'ai une opération hier, là, il y a un risque là-dedans. Donc si, côté localisé, donc vie otage là qui est en danger, si parents pas d'accord, la police n'a pas rien pour le faire, si continue de travailler avec eux, jusqu'à ce que le monde est libéré. Et par la suite, il y a un compte qui fait avec monde qui est enlevé pour collecter informations, accumuler pour opération dans le futur. Opération hier là, son grain de la police, c'est la police nationale, son grain de direction générale, direction centrale, c'est la police judiciaire, son seul cellule, c'est la cellule contre l'enlèvement. Toute opération dans le domaine ça, enlèvement, il est monté par des policiers de la police judiciaire qui a 25 ans d'expérience dans le domaine. Donc, opération hier là, il est monté avec la police, bien entendu, cellule contre enlèvement, avec des unités de la DCPJ,
et d'autres unités de la police nationale, telles que Boyd et leurs unités. Concernant le cas de Guerrier, Chifra Bolo, nous apprenons même à tout le monde que l'élément ça nous a assassiné. Il y a des photos qui paraissent dans la presse. La police garde des photos. Mais jusqu'à présent, nous ne pouvons qu'un cadavre. Police judiciaire, à peine enquête, pour connaître qui s'est passé exactement. Mais en tant que PNH, nous ne sommes pas en mesure pour confirmer si il y a un cas d'assassinat ou bien dans les ventes ou bien disparition. Donc nous, la police a pour le cas pour nous celle sous cas. Merci. Amélie, avancé ou dénette, Amélie Baron a des questions et puis c'est qu'est-ce qu'il y a tout de suite après. Monsieur le ministre, bonjour, pas avancer plus près. Donc, Amélie Baron pour AFP-RFI, pour parler priorité au gouvernement, c'est référendum. Nous tendons, nous connaissons, ça qu'au groupe t'a dit justement dans le dernier communiqué, il dit que le processus là pour eux-mêmes, ils ont été préoccupés parce que nous sentis pas suffisamment inclusif et transparent. États-Unis, secrétariat d'État dit qu'ils n'ont pas financé étape référendum, étape ça dans le calendrier électoral haïtien. Qui réaction nous vient face à la préoccupation communauté internationale sous affaire référendum? Merci. Merci, Amélie. Alors, quittez-moi dire d'abord que un référendum, c'est un acte de souveraineté. Il est essentiellement concerné, nous sommes capables de dire, les Haïtiens, n'est-ce pas? Et c'est eux-mêmes qui vont décider si oui ou non, est-ce que vous voulez un référendum pour changer la constitution. Fort heureusement, il y a trois sondages qui sont réalisés par deux firmes différentes. Yon Sebride, qui ont expertise dans la question de réaliser sondage, il a réalisé deux sondages. Et résultat, deux sondages, ils ont dit clair que plus que 85% de population voulait yon l'autre constitution. Il y a pile l'autre thématique que yon abordé effectivement, mais qui était moins dit ça et deux sondages ça a dit. Maintenant, yon l'autre sondage qui est réalisé par bon, faut me dire que dans deux premiers sondages, c'est des échantillons aléatoires. C'est-à-dire que à plus que, et puis, taille échantillon était vraiment grand pour spécialistes. Maintenant, yon deuxième sondage qui est réalisé par une organisation anti-gouvernementale qui relie Haïti Nouvelle. Sondage ça a tout dit que 87% population a livré en l'autre constitution. Donc, c'est population qui m'a dit en l'autre constitution. C'est pas gouvernement et inquiétude qui exprimait de la part de nos amis de la communauté internationale, gain la d'ailleurs qui très est fondée ou légitime. C'est peut-être ça. Nous-mêmes, dans le gouvernement, et nous demandons pour le comité consultatif indépendant à l'écoute de préoccupations communauté internationale là, et comment pour nous adresser. Effectivement, un référendum doit être un processus qui est inclusif. C'est peut-être ça, encore une fois. Le président l'a initié, ça fait un bon bout de temps, processus dialogue là. Dialogue là pour permettre que le gouvernement qui parle gagnant, avec notre pays, un premier ministre définitif, pour le cas assurer continuité de l'État, particulièrement dans deux grands chantiers SAIO. Référendum constitutionnel et élection. Merci. Hervé, nous avons travaillé pour Radio Télé-Kiskeya. Et merci pour le ministre. Donc, question de c'est qui a rapport avec l'annonce gouvernement fait la planifier question et dialogue avec la classe politique, là, mais nous, parallèlement, le gouvernement a annoncé qu'en pile dans le monde a fait l'équipe d'appui ou bien équipe d'appui pour motivé politiquement. Et nous dit clairement que c'est des mondes qui parlent avec le gouvernement, que le président Jovenel Moïse
fini mandat. Et parallèlement, nous annonçons ça avec même nous, on a fait dialogue. Nous avons même retiré un petit peu la contradiction ça dans notre tête. Et nous plus d'explications en ce qui concerne et comment nous pouvons avancer le dialogue ça parallèlement et que il y a des mêmes acteurs ça nous identifier qui parlent Jovenel Moïse continuer mandat, parlent et politiquement motivé question qui d'abord. La deuxième question c'est pour le directeur général de la police là. En ce qui concerne et préoccupation plusieurs mondes qui concerne la police qui a les policiers qui ont impliqué dans la question de la kidnapping. Et il y a un incident qui passe là, l'une ou que et agent Boy a tiré sous l'état et fait assassiner deux citoyens, disons deux motocyclistes. Mais que le directeur général de la police là, est-ce que le pas préoccupé par rapport avec toutes annonces, toutes gouvernements qui a dit que des policiers ont clairement identifié qui est impliqué dans la question de la kidnapping? Merci. Bon, merci. Écoutez, et moi je pense que gagner des nuances et que nous devons clarifier la déclaration et président. Sous question motivation politique qui gagne un kidnapping, je ne sais pas quoi que nous là qui ne connaît que, eh bien, un bon matin, gagne une série de monde qui a kidnappé, qui n'a pas aucun intérêt là-dedans pour kidnapper. Seulement intérêt qui gagne, c'est pour faire secteur ça, lui-même, lui mobiliser et organiser, dit à bas kidnapping, et malheureusement, il y a une infiltration qui dit à bas président, etc. Ça veut dire que gagner un kidnapping qui ciblé qu'a fait dans des secteurs bien particuliers, c'est des secteurs névralgiques, il y a dans la société. Donc, lien capable d'établir rapidement. Mais ça, c'est plus important, je dis. La classe politique là, même j'ai un gouvernement, il y a un pile, si Joseph, si Moïse, si Pierre, si Jacques. Il faut que tout petit ça yo chita ensemble parce que dialogue politique là, accord politique là, c'est pour lui, c'est pour eux lié. Il faut que yo transcende, dans le sens que il faut que yo pas quitter des mains. Cap Meneo qui pour imposer yo chita avec Timoïse qui semblait même Jacquio pour nous joindre un dénouement avec crise. Merci. Policiers impliqués dans le cas de kidnapping, cas d'enlèvement. Ma profonde précision. Un individu qui est en uniforme, qui va commettre un crime, nous pas qu'à dire carrément c'est des policiers. Donc il y a un pile cas, il y a des gens qui portent un uniforme la police pour nous faire acte malhonnête. Mais avec le directeur général de la police, nous admettons, d'un quoi, même dans tout pays, il y a des policiers qui choisissent faire acte malhonnête. Mais dans tout cas, ça y est. Nous pas qu'à dire c'est policier. Mais s'il y avait, nous reconnaissons qu'il y a des cas qu'on a traités, règlement de discipline générale, la police, inspection générale et loi pays, nous prenons mesures nécessaires pour nous. Tant des policiers en inspection générale, voyez dossier par DCPJ pour finaliser l'enquête et remettre la justice dans le cas avéré que c'est des policiers en uniforme que l'identifier qui a une affectation et qui l'activité qui est en service. Pour Cowboy qui t'a impliqué dans l'échange, ou du moins dans le tir qui t'a gagné sous la lune hier, m'a profité pour dire tout le monde, toute population, que le cas d'enlèvement, la meilleure attitude à adopter, c'est d'appeler, de composer le 122. Et la police là, tant avec vous, même si la situation est difficile, même s'il y a plusieurs cas d'enlèvement, nous avons pour responsabilité pour investiguer chaque cas. Mais là, le fait, première réaction, c'est bloquer la route. Empêcher l'autre citoyen vaquer à l'occupation, la police a dit pour obligation. Moun qui a bloqué la rue, prenez machine, croisez dans la rue, mettez camion sable dans la rue, pendant que vous l'école, moun dans le travail, la police là, il est là pour mettre l'ordre. Et même sous pour ou contre activité de la police là, il faut mettre non mi-temps pour que à 10h du matin, 11h du matin, l'homme nous sorti à 5h, 6h du matin, à vaquer à l'occupation, nous avons pour obligation pour assurer que route yo, qu'est-ce que vous dites là-dedans? Tourner la caillou.
Nous allons investiguer ce qui s'est passé. Si c'est vraiment des tirs qui font des mouns, des citoyens paisibles tombés. Mais généralement, dans la plupart des cas, il ne s'agit pas de citoyens paisibles. C'est des mouns qui sont armés, qui ont bloqué la rue et la police a supposé faire ça pour le faire. Merci. Merci, merci. Merci à toutes les journalistes qui étaient présents dans l'occasion de conférence. On a passé la parole à Premier ministre qui a fait une conclusion rapidement. Bon, et remercier encore une fois tous les journalistes qui fait déplacement. Ça fait nous 3 semaines, ça veut dire 22 jours dans tête primature. Constitution fait nous rester 8 jours au maximum. Donc, c'est-à-dire que c'est 30 jours pour nous passer là. Nous demandons aux acteurs politiques de mettre tête ensemble pour nous capables vraiment aboutir avec un gouvernement et d'union nationale qui a bien en tête li, un Premier ministre définitif qui vient pour lui assurer la continuité de l'État dans 2 grands chantiers et qui pour renforcer la démocratie en Haïti, à savoir référendum constitutionnel et élection. De telle sorte que 7 février 2022, nous gagnons un renouveau démocratique. Merci. Merci beaucoup, merci à toute la presse. Nous avons démarré le journal avec information pour nous faire connaître le président de la République, la Jovenel Moïse, qui est avec la première dame Martine Moïse et puis premier ministre à Ian, Dr. Claude Joseph, remettre vendredi 30 avril là, 8 moteurs dans Sainte-Philomène, département nord. Équipe ça pourra permettre centrale électrique Sainte-Philomène relancée avec une capacité 10.8 MW courant. Sabine Jean-Étienne avec Lydie Dieudonné était sous place, il a présenté. C'est avec fierté président Jovenel Moïse poté l'eau matériel qu'après a lancé centrale électrique Sainte-Philomène. L'eau matériel ça a 6 groupes électrogènes à qui ont sous-station. Centrale ça qui pas fonctionné depuis 13 l'année a passé de 3 à 10.8 MW courant. Je dis à 30 avril, c'est une patience qui va d'abord là pour cette février. On vient du mal de Jésus. Mais si elle est tellement fragile, parce que si elle est tellement bien barrée la donne, par exemple, si elle est centrale 10.8 MW 7 km, si elle est centrale 7.4 MW Saint-Raphaël, si elle est centrale 5.4 MW au Caï, si elle est centrale 5.4 MW Saint-Marc, si elle est centrale 3.2 MW Douai, dans la zone de, si elle est qui est centrale 60 MW turbine dans Kafou, dans Port-au-Prince. Si reste là, qui est courant dans Valière, dans Montbécochi, dans Calis, dans Mont-Organisé, dans Capoti, dans Corail, dans Chambellan. Si reste là, qui est courant dans Mafran, dans Bobo, dans Abricot. Allons, si reste fragile. Puis loin, chef l'État m'a des populations, non seulement bien traiter nouveau central ça, cap bay courant dans ville au Cap tout, mais surveiller pour mauvais jet, pas commettre des malhonnêtes dans l'espace là. Comme c'est Philomène, pour mettre ses dettes, l'aime pour engagement moi-même, j'aime vous condamner grand pile monde qui va nous mentir. Moi-même, depuis mon engagement, je respecte. Mais groupe là, je viens à tout créneau, transformateur là, après cérémonie, je vais le débarquer. Mais ça m'a dit le monde c'est Philomène. Tout monté, t'as ça me dit nous bien. Tout monter au système surveillance. Parce que nous avons dit, ils ne vont pas nous construire. Ils ne vont pas nous bouler. Ils ne vont pas nous croiser. Ils ne vont pas nous briser. Véo. Vous avez fait nous voir. Véo. Je ne sais plus le même. Je ne sais plus le même. Je ne sais plus le même. Je ne sais plus le même parce qu'il n'y a personne. Président Jovenel Moïse déjà lancé courant dans plusieurs autres communes dans le pays à Tankou, dans Fort Liberté, Valière et Jérémy, pour ne citer ça seulement.
ministre Travaux publics, Transport et Communication, ingénieur Nader Joiseus, réalisé week-end passé, une visite dans le département nord-ouest PIA et spécialement dans la localité Monchin, côté gouvernement à travail pour bétonner 6 km route. Richardson Jourdan avec Hervé Pierre, abonnons plus de détails. Ministre PTC a réalisé visite ça dans objectif pour garder comment travail bétonnage là après possible dans Monchin qui trouvé entre commune BDN et bomba de police dans département nord-ouest. Ingénieur Nader Joiseus qui exprime satisfaction li fait connait gain progrès qui enregistré dans cadre projet ça. N'a pas béton partout malgré tout problème y a banon. Donc c'est ça pour nous dire mon yo les chiter à perdre des autres Port-au-Prince payer à Port-au-Prince seulement. C'est capital pays, mais ce n'est pas la République d'Haïti. Je dis à mon manche, ou pas qu'à dire au président pas fait. Depuis date de Haïti créé 1804, la première fois qu'il vient là, ou en seul coup, moins de 6 mois, 3 km de fait. Vous voulez dire pas rien? Et dans 3 km de fait, il y a presque créé 30 à 40 jobs directs, sans créer des jobs indirects. Tout le monde sait où est gravier ça là, tout ce monde qui cache gravier pour vendre. Sans contrôler les gens qui travaillent dans le béton, les gens qui ont pelle puis quoi. Eh bien, les gens ne sont pas temps pour aller prendre des âmes. Ils pas de temps, ils n'ont pas intéressé parce qu'ils ont un côté à faire 50 problèmes. Mais les jeunes, ça, ils ne sont pas créés de travail pour eux. Eh bien, c'est les âmes qui prennent en main. 3 km dans la route là, déjà bétonné, d'après responsable chantier, ingénieur Patrick Joseph, déclaré technicien mobilisé pour finir le projet ça dans la localité Monchin. Plus ou moins satisfait malgré toutes les difficultés. Nous sommes très avancés, nous avons remarqué. Et nous commençons le 17 décembre. Okay? Nous avons réalisé presque 3 km de route en béton hydraulique et nous avons continué avec le terrassement. Okay? Malgré toutes les difficultés, c'est une zone qui est très difficile pour avancer. De toute façon, je remercie le ministre pour la collaboration. Et sans ligne, nous avons arrivé là. Par exemple, depuis une relève, nous avons besoin de tel bagage toujours prêt pour voir pour nous et ça va permettre de nous avancer. Nous ne pouvons pas prêter là seulement. Bientôt, nous avons Moule Saint-Nicolas. On a coulé béton. Nous avons la rivière Côte de Fertou pour aller vers Bordeaux et Jean-Abel. Nous avons la rivière Côte de Fertou pour aller vers Marouge. Okay? Nous avons des terrassements qui sont déjà prêts pour couler béton. Plusieurs membres de la population ont souhaité travailler fini bien vite. Ça a permis de chauffer moto et machine circuler sans problème. Nous disons, Président, nous avons beaucoup de chaîne merci. Parce que nous avons un pile de problèmes pour mon chaîne. Nous n'avons pas de route la caille nous-mêmes. Merci, je ne vous dis pas. Président fait nous cadeau. Il y a une route. Nous ne connaissons pas qui ça nous est capable de dire, Président encore. Et par rapport à que nous avons descendu un camion charbon. C'est là que nous avons eu pour l'école de la ville. C'est sous deux camions charbon. Nous avons risqué la vie nous en pile. Les gens qui ont campé à terre et puis pour garder les gens, étant que comme grand monde, qui ont descendu un sacré le monde chien sous deux camions charbon. Mon cher, ça fait la peine en pile. Mais journée aujourd'hui, hein, pendant ce temps 2020 pour entrer 2021, le président fait nous cadeau une grosse richesse sous bonne adresse. Nous disons merci. Président Jovenel, nous disons un gros merci pour vous, nous disons un gros bonjour pour vous tout. Bon, à la vérité, vous faites nous en pile plaisir. Vous faites 3 routes dans mon chien, vous venez visiter nous. Et vous faites nous route tout. Parce que nous-mêmes n'avons pas de pensée à faire des bagages comme ça. Je fais trafic moto, je suis côté privé. Faut une moto à casser, me tomber. Mais, coulé à là, moi, bel travail comment c'est fait. Malheureusement, nous avons 4 km route. Coulé à Mbakadi si nous avons 3, ou bien si nous avons 3 et demi. Mais sauf que moi, j'ai route. Le travail que nous avons fait là, nous avons un gros chapeau pour le président Jovenel. Parce que tout le temps, nous là, depuis 1987, BDN commune, depuis Fonville Hippolyte, nous commune. Nous ne pouvons pas arrêter le béton même. Affaire là, c'est pas le bâtiment même. C'est grâce à Jovenel qui fait nous ça. C'est que nous remercions le gouvernement en pile. Nous ne pouvons pas remercier qui nous remercions. Travail bétonnage Monchin a réalisé sous 6 km route dans le département nord-ouest pays. Technicien TPTC promet pour finir avec chantier dans un temps qui n'est pas trop loin. Toujours dans le dossier infrastructure, ministre Travaux publics, Transport et Communication, Nader Joiseus, fait une visite inspection week-end passé sous tronçon route Kafoujov-Podpea. Côté Lydie, il constate gagner avancement dans le travail. Nous allons suivre un extrait. Nous attaquons les ouvrages et surtout drainage
Parce que le drainage, donc, je dis dans l'autre là, dans la mesure où on connaît que la protection de là dépend du drainage. Et surtout dans la zone zanée là, nous avons un gros versant qui bat un pile de l'eau. Donc c'est ça qui fait qu'on a fait des descentes d'eau. Et on a fait des canaux longitudinaux, non seulement pour non seulement faire route là, mais il faut durer le tout, c'est extrêmement important. Et c'est drainage qui pourra jouer le rôle vraiment pour assurer la pérennité route là. C'est même travail qu'on a fait dans la zone Oberto. Non seulement que nous avons deux dalles, nous avons deux points qui ont un pile de l'eau, qui ont un pile de problème, et sol là de mauvaise tenue. Nous avons fait dalles, et il est très accidenté, mais nous arrivons à jouer une solution. Actuellement, nous avons fouillé deux dalles, nous avons préparé pour nous faire béton propreté. Et sous garder, nous avons l'autre dalle additionnelle que nous avons annexé à l'autre dalle pour nous faire une déviation. Parce que dans le cas où ça, quand nous avons travaillé, c'est la grande cimetière, c'est la grande agglomération qui habite par le passé. Là, nous avons l'autre dalle, quand nous avons cherché sable. Et en même temps, tout que nous avons risqué pour le déstabiliser, nous continuons avec le pouvoir de dénager. Chaque fois que nous venons, le travail a avancé beaucoup plus. Et route là encore des chaussées, il a avancé la donne. Qu'on y a et il a fait canal longitudinal, protection belge et dalo. Il a gagné près à 25 dalo, à peine 6 qui pas couvert. Et dans 6 ans, il y a 2 déjà annoncés. Donc yo, son travail, il prend tout élément et qu'il faut que je prenne des paix, moi-même estimé à 85%. 15% on a boumé la veille et chaque jour est progrès à pète. Donc avant 7 février, nous encore Kimbe Mono et route Kafoujo pour des pays et n'a pas livré la circulation dans le bail. Pendant le président promet lui, donc avant l'aller, la bail. Donc il y a certainement dans la zone partie de la Tibonite, il y a 3 points à la limite 2 et n'a pas boumé avec lui, n'a pas mis de gaz sur nous pour nous faire lui. L'autre nouvelle, chef l'État encourage citoyens à voter projet nouvelle constitution dans le référendum qui gagne pour fête 27 juin qu'a venu là. Président Jovenel Moïse dit qu'il gagne un pile faille dans la constitution 1987 là, qui d'après lui contribuait dans le mauvais fonctionnement pays à journée jeudi. Un extrait de micro Sabine Jean-Étienne avec Lydie Dieudonné. T'es dit peuple là, constitution ça quoi le fait là? Nous voulons bénéficier de lui pour un candidat, même si nous aujourd'hui, non. Moi, c'est le président qui respecte la loi. Nous, c'est le président qui respecte la constitution 1987. Là. C'est sous l'île de président, c'est sous l'île qui est de pouvoir, et il va donc droit pour un candidat encore. Même pour cette occasion, pour dire tout le monde que la constitution, ça, nous, le président Zulia, pays a un gouvernement avec lui. Ça veut dire ou même peuple là, si nous voulons changer pays à tout bon bruit, c'est pour nous changer la constitution ça. 27 juin 2021, c'est pour nous total voter pour nous dire non à la constitution ça. Pour constitution qui sont pas de corruption entre groupes nègres dans le pays a, qui décident d'Haïti c'est pour nous. C'est pour nous dire non. Même si moi nous dis non, nous tapons nous dire non parce que c'est pouvoir bon pour nous droit pour nous dire non ça. Non à pacte de corruption ça, non à constitution ça, pour un groupe nègre qui comprend que le pays a ses fouillolés, notre pays a ses prévalisés. Je crois que le clair pour tout le monde, je dis à un monde qui parle, c'est pour aller voter pour dire non. Mais un monde qui parle, c'est pas dans le micro pour dire non, c'est pour aller dire non. Notre union, notre côté que le peuple a mette, parce que c'est ça qui démocratie, c'est capacité pour gagner. Pour dire oui vous voulez ou bien ou bien non vous voulez. Et ça, moi-même comme président, je vous dis, opportunité que le moment ça a offert, fin 50e législature, nous connaissons bien 50e législature qui finit 2e lundi janvier 2020. Je vous dis à mon fenêtre d'opportunité, parce que opportunité ça, t'es dans mes frères. Seul qui était sénateur, qui était député. Moi-même comme président, moi je mettais plus passer 100 millions de gouttes dans le budget pour Parlement pour te changer la constitution, pour t'amender la constitution, comme la dépenser, ni pas fait. Je dis à ma décision, comme la dépenser pour le faire. Et c'est ça nous dit.
Une fois encore, le président Jovenel Moïse dénonce tout le monde qui a gagné ou trempé dans le phénomène kidnapping là, dans le pays. D'après le chef de l'État, il y a un bon parti dans le kidnapping, il y a une couleur politique. Pendant l'annoncé, l'administration liant à travail pour contrecarrer l'action bandit. Il y a un extrait. Monsieur, dame, kidnapping, je vais vous dire ça. Je vais vous dire parce que. Il y a des groupes, il y a des groupes qui sont là. Je connais les appareils de l'Union, parce que je vais passer une bonne technologie à mettre. Et donc, pile de kidnapping, tout le monde comme ça, kidnapping politique, tout le monde comme ça. Cette histoire, pour nous rester dans le pays caché dans le but là, c'est ne pas parler, ne pas parler, qui te fait faire plater, moi, que manger. Je dis à ma décision depuis 15 octobre 2019, même Jacques Pellegrino me dit que je ne vais pas me faire. Kidnapping, c'est un peu plus de l'autorité politique. C'est un peu plus là. Si on va dire ça, c'est une hypocrisie de faire la dinosa. Je dis à c'est pour parler. Ça veut dire qu'on kidnappe un tel, peuple à lever, pour peuple à lever. On kidnappe un tel, pour peuple à lever, monsieur. Peuple ici, on va égarer. On va égarer encore. J'ai un clé pour dire, monsieur. Et on a un leader, même quand on est devant vous, président de voter, monde qui l'a gourmé pour le roi. Monde qui campe, qui touche pour être gourmé avec nous, monsieur, maintenant. On va égarer encore. Si nous avons besoin de pouvoir, organisez-nous, monsieur, mettez calme dans le pays. Suspendez le kidnapping dans moi. Parce que nous oublier. Nous songeons, en 2013, qui s'est passé, nous devons mettre maintenant pour les gens, vous n'êtes pas kidnappé. Je dis à nous questionner, monsieur. Suspendez. C'est votre bouche. Là, ça, m'attendez que persécution politique, m'attendez que plein, mais même nous connaissons, c'est qui est le dernier manager. Voilà. Merci avec tout le monde qui débranché pour te capter des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous débranché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous la gon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.